merci Seigneur de ce que les cantiques de ce matin ont édifié, ont étonné les anges, ont terrassé Satan et les démons. Et ils ont touché cœur nous et attiré nous vers nous-mêmes davantage. Amen. Dans les humains. Merci pour ce vieux peuple. Pour réunir ensemble. Comme étant marchandise ou pourtant ça. Amen. Comme étant économie ou pourtant ça. Amen. Merci de ce que vous avez sur nous. On a monté mon lieu, descendu vallée, marché en pleine, non? Dieu là, sur chacun de nous. Frère, mais nous allons passer à la partie parole de ce culte. On a demandé au Seigneur que chacun est capable de manger à satisfaction. Pour être capable. Nous vivons sauvés au yé, c'est-à-dire des participants à ta propre nature, c'est-à-dire pour vivre petit papa, pour vivre des dieux. Accorde cette bénédiction. Et nous te remercions de le faire parce que nous adressons nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Sans arrêt et abondamment. Amen. C'est pour nous un réel plaisir, pour nous ensemble, de ce côté-ci de l'éternité, pour nous avoir bon Dieu notre gloire, que nous pas loin à loin de l'éternité. Amen. On souhaite tout le monde qui peut aller, par la 70, par la 15 ans, pour dégager Jésus-Christ dans la vie. Amen. Celui qui vaincre la mort, le Hadès, le séjour des morts. Amen. Amen. Et souviens Jésus-Christ dans la vie. Et salier en roi. Elle a beau recevoir, pas dire rien. Le plus grand des anges, il va pas empêcher de recevoir. Amen. 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 Jésus-Christ bénit abondamment. Amen. Où sont les temps, les urgents, écoute. Urgent, écoute. Bénis tout le monde qui est là, visiteur ou non. Tout le monde qui est là, généralement quelconque, visiteur ou non visiteur. Bénis tout le monde en général. Tout seulement en général le plus loin que possible. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur tous. Amen. Et que Dieu gère bénédiction en façon pour chacun d'eux. Car nous connaissons jusqu'à présent bon et nous avons cherché. Amen. C'est ça que fait nous beaucoup enlever. Amen. Nous ne savons pas qui ça a eu ça à faire de l'Ora, en qui mauvais bagaille lié ou non, mais le Seigneur a le fourré mes bras. Amen. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient la parole, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe gens pour foi au bâti. Amen. C'est pour le bâti avec la parole de Christ. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses.
afin que par les plus grandes et les plus précieuses promesses, Amen. Donc, grande promesse, c'est de recevoir le Saint-Esprit, Amen. Sinon baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre grande promesse parmi d'autres. C'est lorsqu'on marche selon sa Saint-Esprit voulu, pour avoir enlevé, pour faire partie de l'enlèvement. Amen. Afin que par elle, vous deveniez, alléluia, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, c'est-à-dire pour bagaille ça, pour vivre là, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Ou qu'a dit tout, la connaissance. À la science. On va dire oui, à la science. À la tempérance. À la patience. Alléluia. À la piété. Et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont en, avec abondance. Elles ne vous laissent point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur. Ça veut dire que on va prendre bon Dieu puis plus chaque jour. Mais celui qui, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous mettez l'église là. Vous mettez l'église là, vous mettez chrétien. Il ne voit pas de loin. Amen. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Que Dieu soit loué. Après le courir dans Luc, chapitre 11, que nous avons lu dernièrement, le verset 13. Luc 11, verset 13. Vous voyez, si donc méchant en roulette, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous voyez qu'est-ce qu'a parlé là? Le Seigneur Jésus-Christ. À combien plus forte raison le Père céleste. Bon Dieu, pas par qui dans celle-là pour parler, mais qui est réel. Jésus-Christ, Dieu là, il est réel. Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Gloria. Bon Père céleste, ton peuple est réuni, Seigneur, pour être pour adorer ou pour manger. Et au même en retour pour bal manger, pour les à l'affronter, Seigneur, les jours à venir. Oh Dieu, merci pour mission côté Baya pour faire tout. Pour te voir à dessein. C'est-à-dire pour préparer la seconde venue. Et seconde venue, Seigneur, il est en train d'être préparé depuis la été là, jour. Matin, que chacun puisse, que les élus puissent se préparer pour ce jour qui n'est pas trop loin. Non certain, non soupir, deux soupirs encore, joie à arriver sur nous. Prends parole là. Alléluia. Fourrez-le dans le cœur, nous. Obligez-nous à manger. Nous prions comme ça au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Son bénédiction pour nous, pour chaque monde qui est là, tu es là. Amen. Eh bien, sujet nous matin, c'est va la pyramide de Dieu. Amen. La pyramide de Dieu. Amen. Ça représentait l'Église globalement, l'épouse, et ça représentait chaque membre de l'épouse, chaque membre du corps de Christ. La pyramide de Dieu, où
on capable de dire tout, la stature de l'homme, d'un homme parfait. Vous voyez? Jésus voulait mener nous à être parfait. Lui-même, il te dit ça. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, c'est quelque chose qui est possible pour nous. J'en ai hier, pour nous devenir parfait, mais selon Jean Dieu voulait. Amen. Maintenant, ça nous a dit, en troisième lieu, pour nous résumer deux sujets, ça, non seul sujet, qui est capable plus facile et plus actuel pour nous, c'est l'homme prêt pour l'enlèvement. Amen. Maintenant, chez lui, c'est l'homme prêt pour l'enlèvement qui est là. C'est la femme prête pour l'enlèvement qui est là. Amen. Dieu soit avec toi. Dimanche passé, nous te dit que nous te remercions le Seigneur parce que c'est l'épouse avant tout. Amen. Dieu mettait l'épouse avant tout. Amen. Et c'est ça que fait l'elfe enlevé épouse là de la terre. Il n'y a pas de trop intérêt pour terre encore. Amen. Son seul bagage, il a bien pour le faire, c'est protéger Israël. Et ensuite, brûler terre avec le sixième sceau. Parce que le pape quittait l'épouse là, retourner vers l'habiter terre, j'enterre hier. Amen. Alléluia. Ni du point de vue écorce terrestre, j'en fin de la, l'homme fin à elle, et en même temps, du point de vue, ça l'homme fait sous lui. Amen. Comme souillure. Dieu a balayé tout ça. Alléluia. Amen. Parce que l'épouse là, a descendu pour venir vivre là. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc, merci Seigneur. L'épouse avant tout. Amen. Pas de grande tribulation pour elle. Amen. Pas d'installation de Jésus Chilo dans le millénium sans elle. Amen. Alléluia. Où est ce rafraîchissement pour rafraîchir? Pas d'adoration au ciel pendant environ une demi-heure. Amen. À cause d'elle. Amen. L'épouse avant tout. Amen. Tous les anges devaient se taire. Amen. Parce que la vraie gloire est en train de rentrer. Amen. La femme, c'est la gloire de l'homme. Amen. Et l'homme, c'est la gloire de Dieu. Amen. Le vrai gloire est avant entrer. Nous mettons paix. Amen. Mettez paix au moment. Amen. Alléluia. Amen. Prophète Noir apprend-nous que seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit partiront pour l'enlèvement. Amen. Nous apprenons qui Jean pour nous remplir du Saint-Esprit. Dans la prière, selon Luc 11. Souvelez-le à Vremni. Parce qu'il est disponible pour amen. Tout élu à remplir du Saint-Esprit. Amen. Mais il faut aller chercher. C'est même Jean, frère, nous sommes chanter et demander pour le Seigneur révéler nos paroles chaque jour. Et bien, si c'est chanteur, chantez-le seulement comme ça. On ne pas quoi, on va pas aboutir. Tout ça, vrai, Dieu a un chemin pour passer là-dedans pour aller. Amen. Vous voulez le révéler aux paroles lui chaque jour? Oui. Et le révéler aux paroles lui chaque jour, vous semblez avec elle? Oui. Vous avez une union avec elle? Amen. Mais, bon bagage, bon chemin pour passer. Amen. Chemin ça, c'est qui ça? C'est la méditation de la Bible, du livre, la méditation des brochures. Amen. Et c'est là qu'il a révélé des choses. Il a révélé, il a révélé.
Amen. Et chaque fois que vous saisissez révélation, eh bien, quelque chose a quitté vous. Amen. Quelque chose a quitté vous. Amen. La méditation de la parole de Dieu, la Bible, et la méditation des brochures, qui c'est la révélation de la Bible. Laisse ça, pour arriver, côté pour arriver. Amen. Sauve-les, pour être capable de joindre. Eh bien, l'on recevoit le Saint-Esprit, les bons bagages, les faits dans où la fait que, ou pas même moun là encore. Amen. Mais on pas plus mal. Amen. C'est plus bien ou plus bien. Amen. C'est plus bon ou plus bon. Amen. C'est plus correct ou plus correct. Amen. C'est plus semblé ou plus semblé avec Jésus. Amen. C'est plus semblé ou plus près ou plus près, image mon Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Rejoignez-moi. Eh bien, les poter dans haut, les fait croître dans haut, pas poter dans haut, vous gagnez déjà. Le prophète dit tout ça, Dieu gagne, tout ça lié de nature, vous gagnez dans haut déjà. Amen. Mais Saint-Esprit va le développer. Amen. Parce que la chair parle au développé. Alléluia. Donc, il est nécessaire et urgent. Côté une rivière là, pour mon ap chercher, pour cet esprit remplir. Amen. L'homme prêt pour l'enlèvement. Mais l'homme prêt pour l'enlèvement. Ça va mettre au prêt pour l'enlèvement. Le Saint-Esprit en vous. Amen. C'est lui qui a fait œuvre ça. Amen. C'est lui Dieu qui a fait œuvre ça. Amen. Mettez au prêt pour l'enlèvement. Amen. Pour le mettre au prêt pour l'enlèvement, il y a sept qualités spirituelles particulières qui pour faire vivre une vie digne de l'évangile. C'est lui qui a réveillé, qui a croître, fait croître, qui a grandi. Bagay sa yo la kay. D'abord, c'est la foi. Touchez la foi, mon. Ah. Ou on kay mon diable bâti. Ou on temple a bâti. C'est l'épouse là. C'est un grand monde dans l'épouse. C'est chaque membre l'épouse. Mais c'est la foi d'abord. Ouais, si foi ça, pas foi parole là, building a tombé. S'il pas foi pour lier, building a tombé. Alléluia. La foi, la vertu, la connaissance. Amen. La tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. C'est matériaux, bon Dieu. Amen. Pour les bâtiments. Amen. Alléluia. On va changer d'ingénieur? Oui ou non? On va changer d'ingénieur? N'a pas laissé le Saint-Esprit être notre ingénieur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'a pas la parole de Dieu, n'a bâti foi selon la parole de Dieu. Et une fois que foi a bâti, ou après pour commencer à grandir. Laissez, il faut entendre. Et bien, si attendez à laisser le prendre en place. Amen. Nous devons être comme Jésus. L'homme prêt pour l'enlèvement. La vraie foi. La foi authentique. Amen.
les conduire tout d'abord à l'amour de la vérité. Là où mon il y a foi qui bon vérité a sorti dans bouche quel que soit mon nom la va admettre. Il va dire ça c'est un tel. C'est la première chose que la foi véritable vous donne. L'amour de la vérité. Quand il y a des gens qui t'ont donné ça, ça c'est vérité. Mais bon, et pas de l'argent dans le bras. Ah, ça c'est vérité, mais mission, c'est de prendre soin. À présenter le Seigneur Jésus-Christ comme le Dieu fidèle et qui dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est sûr, nous sommes accompagnateurs pour j'ouvrir là, lui avec jusqu'à la fin du monde. Maintenant écoutez, les pas quitter la route, ou même ou qu'à quitter la route, ou qu'à faire l'autre route, mais lui ne pas quitter la route. Amen. À Dieu soit la gloire. Donc, pour qui sort dans le message là? Prépare. Pour qui sort là? Est-ce que ce n'est pas l'amour pour la vérité qu'on recevra? Amen. Ou bien est-ce qu'on a fait intérêt pour là? Amen. Amen. Qui intérêt pour ton chita là? Amen. C'est où qu'on est, c'est où Kadim. Est-ce que le message a été révélé à cœur dans l'attendez? Amen. 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 Et vous dites ça, c'est la vérité, m'abandonner tous les privilèges du monde. Amen. Tous les privilèges de bam la dénomination. Recevoir l'amour de la vérité. Amen. Oh, alléluia. Si ce n'est pas comme ça ou dans le message là, demain si Dieu veut, ou elle vient ci ou elle vient ça. Amen. Amen. Mais si c'est l'esprit de vérité qui révélé, ou t'es révélé, puis l'esprit de vérité, t'es formé ce voile, amen. Eh bien, bon, bah, elle est convaincue de lui, de côté dans la foi. De vous dans la base là, vous êtes convaincu de lui, c'est lui qui a kembé au coup maintenant arrivé, c'est que c'est la vérité. Amen. Amen. Donc disons, vérité que Dieu révélé nous dans l'âge, dans vivre là, et même que le voyez pour le groupe d'élus qui dans l'âge là, eh bien, que c'est par amour de la vérité au vient la donne et non pas au leur intérêt. Saint Paul dit, par le Saint-Esprit, ceux qui périront, périront parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. Pas parce qu'ils vont dans l'église là, non. Parce que vous ne pouvez pas recevoir l'amour de la vérité. Amen. On l'autre bagaille va le mettre au dehors. Vous pas bien l'amour de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Le départ qui est la foi. Pas te révéler à vous-même comme étant l'amour, comme étant la vérité. Amen. Mais Dieu va quitter ça comme ça, non? Il y aura le ouais, c'est la vérité. Amen. Sixième vision, on l'a accompli. Amen. Et nous faut nous commencer au ouais, c'est la vérité. Amen.
87 ans. Amen. Après 87 ans, 6e vision à accompli. Après là, tout le monde chez vous blanc, vous avez 87 ans. Pourquoi ça? Alléluia. Bien mouru déjà. Il y a la veille. Mais quand il pas recevoir l'esprit de la vérité, tout, il n'y a pas quoi. Mais la fête. Amen. Merci Seigneur. Oh, le message, Dieu voit le message là. William Marion Branham, c'est un envoyé de Dieu. Amen. On voit le Dieu comme Paul. Amen. On va toucher Paul. On voit le Dieu comme Irénée. Amen. On voit le Dieu comme toute la tio Colomban Luther Wesley. Amen. Pour faire quoi? Pour porter un message. Bye. Pour qui laisse? Pour l'épouse. Amen. M'a dit un mot. L'épouse la prend déjà. Amen. Me répétez pour faire moins. Amen. L'épouse la prend déjà pour l'aller. Amen. En effet, tout élu qui croit, n'a pas en base. Tout élu qui te croit message Paul de côté sur la foi en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Dieu, tout sauvé. Amen. Tout attend. Amen. Alléluia. Amen. Je prends message là, vous mangez, vous êtes prêt. Ok, temps pour qu'on vienne, vous mourrez, mais vous mourrez tout prêt. Amen. Vous parlez de faut marcher tout sauvé. Eh bien, nous sommes obligés d'utiliser mon mourir pour comprendre maintenant Christ n'a pas mouru. Nous mourir tout près. Amen. Tout près pour enlèvement. Amen. L'homme paraît pour enlèvement. Amen. Ou avec moi. Amen. Amen. Eh bien, deuxième âge là, âge de Smyrne. Côté que Irénée te recevoir le message de Dieu pour prêcher la vertu. La vertu. C'est-à-dire la force et la puissance qui lui est partie de la foi. Sous la foi, toute force. Sous la foi, toute puissance. Donc il voulait dire, côté nous y est là, qui nous y est là pour la bonne foi dire. Paul prêche nous la foi qui baille force là. Amen. La foi qui baille puissance là. Amen. Côté. Amen. Il venait à brûler. Et tout ça qui te dit la chrétien, dans le message Paul là, ou autre qui vient dans le message Paul là, et bien lorsque vous acceptez, il venait, quoi ça il venait dire, il marche avec elle, il recevoir deux bagailles. Il recevoir foi. Il recevra puissance et force. Amen. Qui c'est la vertu. Amen. Ce sont les sept qualités particulières, spirituelles particulières de Dieu qui vous font vivre selon une vie digne de l'évangile. Amen. Maintenant, vous remarquez, nous c'est qui gros tonton âge là. Amen. C'est tout normal. C'est un qui t'a pris pas bon. Amen. Donc c'est vous pour gagner plus de bagages. Amen. Amen. Merci Seigneur. Foi ça n'a pas l'air. Foi authentique là. Foi véritable. Cet esprit ouvre une foi ça. Amen. Et l'aile ouvre une sa bonne vertu. Amen. Vertu a voulu dire cet esprit ouvre une foi de force. C'est des suites, bien foi, pas mal, loin de force. Oui. Amen. Ou même, ben, c'est vrai, etc. Mais on va dans une construction comme ça. Amen. Amen. Oui, on va dans une construction comme ça. Ou qu'a fait montagne branlée, ou qu'a pris au joint sans besoin. Mais la foi pour construire l'homme prêt pour l'enlèvement, Amen. C'est pas sous Bouchita. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cet esprit, une fois ça, de force et de puissance,
il y a senti force ça, il y a senti puissance ça qui a sorti dans vous. Alléluia. Là parler de vérité au cœur. Amen. Mais si le ça vous parle à Dieu, à Dieu de l'esprit, vous parlez avec assurance de la foi, amen. Vous parlez avec aplomb, amen. Te procure la connaissance. Amen. Amen. Donc on va aller vers ces bibliques, on prononce cette partie de la parole pour corriger croyance. Mon obligé tête à tête. Mais si quand même il fait et comment on dit ça, arrogance, c'est pas arrogance non, hein? Il fait audace pour le tordel par où. Alors ou pour l'autre texte qui fait l'obligé de tordel. La connaissance, c'est dans la méditation de la parole. La méditation des brochures pour recevoir troisième vertu. Amen. Dieu soit loué. Maintenant, alléluia. Lorsque connaissance de la parole, coup de démon devant le connaît. Il connaît. Et vous chassez les démons avec même onction ça, amen. Même force ça, amen. Même puissance ça, amen. Sans hésiter, sans trembler, amen. Et même des fois sans bruit. Voilà donc vous baillez. Parce que votre présence, font-ils garder une frère? Parce que votre présence chasse. Oui. Votre présence chasse. Amen. Depuis la balle, tu me l'as vu. Amen.